Le Canada, les États-Unis n'ont pas été en mesure de gagner une Coupe Stanley en une saison dans la Ligue nationale. Est-ce que la vodka et la Russie vont pouvoir réussir à faire cet exploit-là? Je ne sais pas ce qui se passe avec la simulation. EA Sports, je ne sais pas si ça faisait une explication pour ce qui se passe. Pourquoi Team Canada et pourquoi Team USA ne sont pas capables de gagner la Coupe? Je trouve ça juste aberrant. Mais bon, on va quand même essayer d'en rapporter une avec, avec les Russes. Donc, meilleure ligne. Ovi, Malkin, Kucherov, Panarin, Kuznetsov, Tarasenko, Dadonov, Anisimov, Radulov, Zvechnikov, Moziakin et Ilya Kovalchuk. Défensivement, Provorov, Orlov, Sergachev, Zaitsev, Zadorov et Oziganov. On sait que c'est la défensive, le problème pour la Russie. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont retirés? Namestnikov, Guldobin et Valery Nichushkin. Donc on est prêt avec cette équipe-là. On a vu ce qu'on avait à voir. À date, c'est les États-Unis qui ont eu la meilleure saison régulière. Voyons voir si la Russie va pouvoir battre cette saison régulière-là. Et surtout, passer, c'est quoi, la deuxième ou troisième ronde? À voir. 52-12-6, il reste quoi? Il reste un à faire. La Russie, comme chaque pays, va réussir facilement à faire les séries. Probablement même finir premier, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on atteint 60 victoires et 61-15-6? Je ne me souviens pas c'est quoi la fiche des États-Unis. Si quelqu'un... Let's go. 61-15-6. C'est la fiche. Les États-Unis, on ne se souvient pas. Est-ce qu'on a battu les États-Unis? 128 points. Je pense que c'est proche, là. Je pense que c'est vraiment proche. Kucherov, 82 points en 82 matchs. Donc ça, c'est parfait. Malkin, Ovi, seulement 22 buts. Tarasenko, 47 buts, 78 points. Là, il est là, là. La Russie a vraiment marqué beaucoup de buts. Et dans toute la ligue... 99 points pour Connor McDavid, c'est rare qu'il fait autant de points dans une simulation. Tarasenko, mais pas le bon. Sinon, Malkin, Ovi avec la Russie. Bon, here we go. On est parti, saison régulière terminée. On va affronter quelle équipe pour commencer? Les Panthers de la Floride. Pour commencer cette première ronde. Here we go. Est-ce que la Russie va enfin réussir à déjouer la simulation NHL? C'est 2-1 pour la Russie. C'est 3-1 la Russie. Et facilement, en 5 petites parties, les Panthers sont éliminés. Je pense que la Russie, là, son Savodka, son avec Kuznetsov, sont sur la poudre blanche. Donc ça devrait le faire. Ils ont du stock pour veiller tard. Ok, 3-2, 7-4 et défaite de 3-2 en prolongation. C'est 2-1 face à Columbus. C'est une victoire et encore une fois on a 3 chances d'éliminer Columbus. Défaite de 4-0 et voilà, ça commence. En deuxième ronde, tout le temps là que ça se... Ben voyons, hey, c'est impossible. Impossible, 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 impossible. Ça a fait la même chose avec les États-Unis. Impossible. 4-0, 5-2. Est-ce que, encore une fois, Team Russie pour une troisième simulation de suite. Première période, 0-0. Deuxième période, ouh, Kucherov et Kuznetsov. Oh my god, on a eu chaud. Ah, 2-0. Ah, Cam Atkinson, 2-1. Columbus qui chauffe. Team Russie, là, qui les chauffe. Est-ce que Bobrovsky va réussir à tenir bon pour permettre à Team Russie de s'en aller en finale de l'Est? La réponse est oui, de peine et de misère. On est fait se faire comeback. C'est pas normal que la Russie doive s'en aller en 7 matchs et gagner un petit 2-1 face à Columbus. Et là, on affronte les Sabres de Buffalo. Ça, si c'est pas en 4 matchs, je m'excuse, là. 3-2, 2-2 la série. Ben oui. Les Sabres de Buffalo qui mènent 3-2 la série face à la Russie. Incroyable la simulation. Faut gagner deux matchs de suite. Première période, 1-0, Dadonov. Deuxième période, 2-0, Tarasenko. Et est-ce qu'on s'en va en septième match pour une deuxième série de suite? Oui, Kucherov a marqué 3-1 la victoire. Et on s'en va en sept matchs
pour une deuxième ronde de suite avec la Russie. Incroyable. Incroyable. Ok, première période. 1-1, Jack Eichel et Ovi, my god. Deuxième période, 1-1 toujours. Et Rasmus Ristolainen qui marque. La Russie est en retard d'un but dans septième match et pourrait ne même pas aller en finale de la Coupe Stanley. 10 minutes à faire. Incroyable. Power play pour Team Russia. C'est raté. Incroyable la simulation. Incroyable. Ça fait trois simulations de suite qu'il n'y a aucune équipe qui s'en va en finale de la Coupe. Et Russie, la Russie s'est fait éliminer par les Sabres. Les Sabres de Buffalo, man. Aïe aïe. Troisième. Je continue jusqu'à temps que je vois une équipe gagner la Coupe. C'est impossible. EA Sport, Team Canada, Team États-Unis, Team Russie, c'est probablement avec la Suède les quatre meilleures équipes au monde. Au monde, il n'y a pas une équipe qui accote. Je m'excuse, mais si en sept matchs, Team Canada, Team États-Unis, Team Russie jouent une série de sept une série de quatre de sept, c'est sûr qu'ils gagnent. C'est sûr qu'ils gagnent. Impossible, impossible. À moins que les joueurs s'en calissent, mais c'est impossible. L'expérience continue et ça fait trois épisodes de suite qui a aucun rapport, aucun esti de rapport dans la simulation. Donc on continue, on va continuer puis on va continuer de réveiller spoil sur ce. Bonne continuation. À la prochaine et ciao bye.